Derby normand entre Quevilly-Rouen Métropole 19e et le Stade Malherbe de Caen 8e. QRM reste sur 4 nuls, dont 3 0 à 0. Une petite accélération, quelques résultats positifs pourraient permettre à QRM de se sauver. Gbele, Kadiou et Soubano sont titulaires pour essayer de remporter ce derby. Brahimi, Le Bihan et Alexandre Mendy débutent le match côté Canet. Le Breton est lui suspendu. Des Canets qui ont connu un coup d'arrêt avec deux défaites consécutives. Mais il débute parfaitement ce derby avec le centre de Brahimi pour trouver Alexandre Mendy. 1-0 pour Caen après 10 minutes seulement. 18e but de la saison pour Alexandre Mendy. Il est toujours aussi efficace et permet à son équipe de prendre les devants. Situation parfaite pour les visiteurs, même s'il reste beaucoup de temps. Et QRM a la possibilité de répondre, notamment sur ce ballon enroulé à côté. Une bonne chance pour Mamadou Camara, mais ça n'est pas cadré. Le coup franc Canet. Ce n'est pas très bien dégagé. La reprise et la parade spectaculaire de Benjamin Leroy. Très jolie tentative de Mickaël Le Bihan. La trajectoire était belle, mais Leroy a bien suivi. Encore les Canets en position d'attaque avec Abdi pour renverser le jeu. Le centre, le ballon repoussé par Leroy, mais c'est suivi par Alexandre Mendy. 2 à 0 à la 43e minute, un très bon moment pour les Canets pour prendre l'avantage de manière plus certaine. 19e but de la saison après ce doublé pour le meilleur buteur de Ligue 2 BKT. Encore une fois, Alexandre Mendy est efficace et Caen a deux buts d'avance à la mi-temps. La situation est parfaite pour les Canets. Du coup, l'entraîneur de QRM procède à un changement. Il sort Gbele pour faire entrer Gustavo Sangaré. Un choix pour la seconde période. Et QRM va de l'avant pour, pourquoi pas, se relancer, réduire l'écart. La tentative et le sauvetage de Mandrea. Sangaré entré sur le terrain, prend sa chance. L'international burkinabé sollicite le gardien algérien. Mandrea a sauvé, mais voit encore le ballon revenir devant lui avec cette nouvelle possibilité. Cette fois-ci, il ne peut rien faire. Sangaré pour la passe et le but de Balthazar Pierret, son troisième de la saison. Réduction de l'écart à la 66e minute. Ce derby normand est relancé. Quevilly-Rouen en métropole peut y croire de nouveau. Encore une chance. Ici, la possibilité d'égaliser. Peut-être Mandrea s'interpose. L'angle n'était pas très ouvert. Il permet à Caen de conserver son avantage. Il arrive à sauver face à Soubano. Pas de but supplémentaire dans ce derby remporté par le Stade Malherbe de Caen. 2-1 sur le terrain de QRM.